J'ai compris. Il ne faut pas que je quitte la réunion, j'imagine. Merci. Alors, donc voilà. Donc je vais vous commencer ce petit travail, vous présenter ce travail donc de synthèse autour du structuralisme que je médite depuis une vingtaine d'années. Et en fait, ce que je souhaite faire, donc, ça pourrait s'appeler l'événement structuraliste, le siècle du structuralisme, c'est un projet de livre dont je crois j'ai rédigé la proposition pour un éditeur en 2003. Enfin, maintenant, ça aurait une forme beaucoup plus restreinte. Et ce que je voudrais faire, en gros, c'est essayer de faire un parcours, non pas historique du tout, mais un parcours à partir d'un certain nombre de gestes qu'il me semble nécessaire d'accomplir pour restituer le structuralisme, justement, tel qu'en lui-même l'éternité le change, comme dirait Mallarmé. Autrement dit, le structuralisme comme possibilité récurrente de notre horizon intellectuel, tel que personnellement, en tout cas, je le vois. Et pour ça, je pense que, une bonne manière de le faire, c'est d'identifier 10 gestes qui sont des gestes de rectification. Des gestes de rectification par rapport à ce que j'ai appelé le structuralisme standard. Et rectifier ce structuralisme standard, ou comprendre en quoi ce structuralisme standard, d'une certaine manière, manque précisément le structuralisme comme événement, mais le manque de manière nécessaire, pas de manière contingente. C'est-à-dire la manière dont il le manque, c'est une manière dont le structuralisme se produit comme possibilité récurrente. Donc, comprendre ces rectifications, c'est construire un concept du structuralisme alternatif que j'appelle le structuralisme effectif. J'aime pas trop ce mot-là, mais il est le plus, d'une certaine manière, le plus neutre. L'autre terme que j'utilise pour désigner la version du structuralisme que je défends, c'est le structuralisme dionysiaque. Voilà. J'étais tenté par d'autres, par exemple l'expression de surstructuralisme ou l'expression d'anarcho-structuralisme. Je les ai bien. Mais enfin, disons, pour opposer à la notion de standard, j'aurais pu choisir le structuralisme non standard, mais c'était trop négatif. Et donc, je cherchais à essayer de donner une idée positive, mais pas trop quand même charnelle, disons, de cette nouvelle orientation dans la compréhension du structuralisme que je défends. Et donc, plutôt que structuralisme dionysiaque, qui est véritablement son nom, en fait, son nom secret, bien sûr. Son nom dionysiaque, c'est le structuralisme dionysiaque. Bon, ben, j'ai choisi structuralisme effectif pour désigner ce qui, justement, le fait que ce structuralisme est à la fois ce qui s'est effectué, ce qui est au travail dans l'histoire, et ce qui est actuel, par opposition, disons, à ce qui serait simplement apparent dans le structuralisme standard, hein, structuralisme effectif, au sens où c'est effectivement le cas que c'est le structuralisme, et effectif au sens où il produit des effets. C'est lui qui produit des effets, y compris ce structuralisme standard dans lequel il se représente et par lequel il passe historiquement. Donc, j'ai isolé, disons, 10 grands gestes, 10 grands gestes, et je vais en présenter progressivement une partie, en tout cas, cette année, probablement, je ne sais pas combien, 2, 3 ou 4, on verra. On commencera aujourd'hui par le premier. 10 grands gestes, en gros, le premier, c'est de dire que le structuralisme standard, se définit précisément par le fait d'avoir cru qu'il y avait un standard du structuralisme, c'est-à-dire une forme incarnée qui pourrait servir de référence à toutes les versions du structuralisme. Or, comme disait Lévi-Strauss, si le mot de structure a un sens, ce sens a lui-même une structure. Et pour Lévi-Strauss, ça voulait dire qu'il est complètement, disons, il est complètement coextensif, hein, au système de ses variations, de ses variantes. Et donc, le structuralisme ne doit pas chercher un standard, mais doit être défini comme un problème. L'idée, ça va être, dans un premier temps, de construire cette catégorie d'un problème structuraliste, hein, ou disons, mettre en avant la notion de problème comme étant la clé d'une première rectification sur le structuralisme. La deuxième rectification, ce serait de dire que le structuralisme n'a pas été une théorie du sens, hein, mais une ontologie du signe. Donc c'est de remplacer, disons, la notion de sens par celle de signe comprise comme genre de réalité particulier.
Le troisième critère, je vous les donne tous. Alors, j'ai dit critères, mince. J'ai dit critères parce que, évidemment, peut-être que certains d'entre vous se rendent compte que j'ai été ici. J'ai voulu répondre un petit peu aux six critères du structuralisme que Gilles Deleuze a énoncé dans son grand article, à quoi reconnaît-on le structuralisme? Moi, finalement, mon projet, c'est à quoi reconnaît-on une bonne rectification de la compréhension du structuralisme, hein? 50 ans plus tard, on ne peut pas avoir des critères du structuralisme. En revanche, on peut avoir des critères d'un bon geste de rectification. Hein? Ce sont des bons opérateurs de rectification. Bon, donc troisième geste. Alors, pardon, le premier geste, on pourrait dire qu'il va porter sur structure et science. Structure et théorie, on pourrait dire d'une manière générale, science, philosophie, méthode, doctrine, vous verrez un petit peu ce que je veux dire. Le deuxième, c'est sur structure et sens. Hein. Et là, ça veut dire qu'il faut replacer la catégorie de sens par celle de signe, au fond, plus précisément, d'être signe. La troisième, c'est de comprendre que le structuralisme n'est pas un holisme, et donc remplacer en fait la catégorie de totalité comme catégorie centrale dans la compréhension du structuralisme, mais que le structuralisme est un comparatisme. Et donc remplacer la catégorie de totalité par quoi? Par le concept de transformation, le concept de groupe de transformation pour être très précis, enfin disons le concept de transformation. Dans le structuralisme, il n'est pas question de la totalité, il est question de la transformation. Le quatrième critère du structuralisme, c'est le critère de la causalité, enfin le problème exactement de la causalité. Et c'est remplacer une compréhension du structuralisme comme une forme de déterminisme par une compréhension du structuralisme comme une forme de différentialisme dans laquelle la question n'est pas celle de la causalité, mais ce que j'appellerais de la constitution des phénomènes. La question n'est pas de savoir comment expliquer les phénomènes, mais comment ils se constituent à proprement parler. Et là, le concept central, en fait, sera celui de variante. Le cinquième, disons, geste de rectification, c'est de comprendre que le structuralisme n'a pas été une forme, disons, une nouvelle figure de l'a priori dans la pensée, mais qu'elle a introduit un concept beaucoup plus intéressant que celui d'a priori, qui est celui d'itérativité. Donc là, c'est mettre en avant la notion d'itérativité contre celle d'a priori. Le sixième geste, donc, consiste à rectifier l'idée selon laquelle le structuralisme a à voir avec la notion de constante. Certains diraient d'invariant, mais le mot invariant est très bien. Le problème, c'est qu'il est confondu avec le mot constante. Donc, que le structuralisme n'a pas été, en gros, cet éléatisme, le nom des éléates, des philosophes éléates de l'Antiquité, qui cherchaient précisément chose de l'ordre de l'immuable, mais au contraire, en fait, une forme de métamorphisme, et même on pourrait dire d'héracliteïsme. C'est pas un éléatisme, c'est plutôt un héracliteïsme. Et là, la catégorie centrale est la catégorie d'événement. Le problème du structuralisme n'est pas celle de la constante, mais celle de l'événement. Le septième geste, disons, de rectification est consiste à rectifier l'idée selon laquelle le structuralisme est une forme de fonctionnalisme et implique la notion de fonction, comprise en un sens téléologique, fonction comme étant ordonnée à un but, quoi. Et je défendrai l'idée selon laquelle le structuralisme est une forme de sérialisme, c'est le mot que j'ai trouvé. Et la catégorie centrale, ici, pour remplacer celle de fonction, vous le verrez, est celle d'analogie. Le huitième geste de rectification porte sur la confusion qu'on a faite du structuralisme avec un type de formalisme. Et je défendrai au contraire l'idée selon laquelle le structuralisme est au contraire une forme de multisérialisme. Ce n'est pas qu'il y a une forme unique, c'est qu'en réalité, il est feuilleté, stratification interne. Et en fait, le concept central ici, ce n'est pas celui de strate. Disons le premier, le plus important, ça en fait partie, mais c'est celui d'équivoque. Le neuvième et avant-dernier geste de rectification du structuralisme standard est de montrer que ce structuralisme standard a confondu le structuralisme avec une forme de modernisme
Et là, ça, c'est la problématique du médium. C'est l'idée selon laquelle le structuralisme permet, disons, d'identifier les médiums comme étant autonomes par rapport à d'autres. Et au contraire, moi, je défendrai l'idée selon laquelle, justement, le structuralisme est en fait un articulationnisme. C'est vraiment pas joli. C'est l'idée selon laquelle, en l'occurrence, justement, ce qui caractérise le structuralisme effectif, c'est de n'avoir pensé la constitution d'un médium que étant nécessairement relié à la constitution d'un autre. Donc, on pourrait dire qu'il est transmédial, si vous voulez, pour employer un mot qui a été introduit par Charles Jenkins, ce théoricien des médias américain, professeur à Harvard. Et enfin, le dixième et dernier critère, qui porte plutôt sur le problème de la relation entre structure et praxis, cette fois-ci, c'est l'idée selon laquelle le structuralisme serait, en quelque sorte, un objectivisme, alors que je pense que le structuralisme est une forme de pragmatisme particulier. Et là, la catégorie centrale, c'est celle d'énonciation. Voilà. Donc, problème, signe, transformation, variante, itérativité, événement, analogie, équivoque, double articulation, énonciation. Voilà le système des concepts, disons, dont nous aurions besoin pour aborder le structuralisme. Alors, avant d'entrer dans le premier de ces critères, d'abord, pourquoi ce travail ? Bon, disons plutôt peut-être dans quel contexte ? Le contexte de mon travail sur le structuralisme est complètement inséparable d'une interrogation finalement sur l'héritage de la philosophie moderne, peut-être en général, et plus particulièrement de la philosophie française du XXe siècle. Je suis entré dans cette question car je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas comprendre, je suis convaincu qu'on ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé en philosophie dans ce que j'ai appelé finalement le moment des années 60 sans répondre à la question, enfin sans se rendre compte que les grandes œuvres philosophiques de ce moment-là s'employer toutes, d'une manière ou d'une autre, à répondre à la question « qu'est-ce que le structuralisme ? Que se passe-t-il sous le nom de structuralisme ?» La plupart des grands livres publiés dans la deuxième moitié des années 60 sont des tentatives pour proposer un diagnostic sur un événement contemporain, donc il y a 50 ans exactement. Cet événement précisément nommé structuralisme, en philosophie. En philosophie, c'est-à-dire que la philosophie s'est confondue, la philosophie comme pratique disciplinaire à un moment donné, s'est confondue avec cette œuvre diagnostique pour essayer de caractériser, au sens du mot caractéristique, si vous voulez, qu'on peut trouver chez Humboldt, hein, c'est la caractérisation par différence avec d'autres, pour saisir une singularité événementielle. Donc, il s'est caractérisé par un diagnostic sur l'événement structuraliste. C'est les grands livres, ben c'est d'abord les livres d'Althusser, pour Marx et Lire les Capitales, qui datent de 1965, immédiatement après Les mots et les choses, de Michel Foucault, en 1966, qui est un livre structuraliste. Donc vous savez peut-être, je ne sais pas, peut-être justement je ferai un point sur Les mots et les choses, parce que ça mérite quand même un gros point. C'est un livre qui devait être sous-titré Archéologie du structuralisme, hein, donc que Foucault, je vais y revenir. Donc 66, la trilogie de Derrida de 1967, de la grammatologie, la voie et le phénomène, l'écriture et la différence. Le diptyque de Deleuze de 68-69, c'est-à-dire différence et répétition et logique du sens. Et enfin, discours figure de Lyotard, je tirerai la séquence jusque-là, en 1971. Toutes ces œuvres sont donc des tentatives, je veux dire, leur projet constitutif, hein, je ne sais pas que... Par ailleurs, ils font ça, c'est que c'est leur sens, on pourrait dire, c'est leur sens. Leur sens n'est rien d'autre, ou leur identité, si vous voulez, de signe précisément, n'est rien d'autre que variantes de cet effort pour prendre la mesure de ce qui serait arrivé à la pensée sous le nom de structuralisme. Alors évidemment, la bizarrerie, et disons ma propre l'histoire de cette recherche que je veux essayer de présenter de manière synthétique avec vous pour la première fois maintenant, à partir de maintenant, la bizarrerie de cette histoire est que ces ouvrages et d'une certaine manière les œuvres en construction
qu'elles initiaient, parce qu'en fait, ce sont des ouvrages fondateurs pour ces différents auteurs. Ces ouvrages et les œuvres qu'ils inauguraient ont été rapidement rangés, comme vous le savez, sous le label de post-structuralisme, au sens non pas de ce qui atteste du fait que le structuralisme a eu lieu, parce que ce serait un sens du mot post, un sens tout à fait légitime, malheureusement inutilisable de nos jours, parce qu'il ne veut pas dire ce qui atteste du fait que le structuralisme a eu lieu et que nous le sommes désormais sous la condition de cet événement, mais au contraire ce qui périme le structuralisme, ce qui nous permet littéralement eh bien, de ne pas s'en occuper, en fait, de ne pas le lire. C'est bien ce qui s'est passé historiquement, c'est que effectivement beaucoup de gens se sont contentés de s'intéresser à ce qui se jouait dans le post-structuralisme sans prendre la peine souvent d'ouvrir en fait, tout simplement les ouvrages qui étaient labellisés structuralistes, je veux dire typiquement les ouvrages de Saussure, de Trubetskoy, de Jacobson et même de Lévi-Strauss. En tout cas, de tous ceux qui, étant associés au structuralisme, n'ont pas participé à cette curée post-structuraliste, de liquidation en quelque sorte. Car le fait est qu'après 1968, tous ces auteurs que j'ai nommés dans le champ de la philosophie, tous ont récusé l'appellation structuraliste, avec, il faut bien le reconnaître, une certaine mauvaise foi qui parfois va jusqu'à la contre-vérité pure et simple. Je vais vous en donner quelques exemples. Althusser, pour commencer par lui, puisque j'ai commencé par lui, explique dans ces éléments d'autocritique, alors ça se trouve, l'édition que j'utilise est de Solitude de Machiavel, qui a été publiée au PUF chez Actuel Marx, et c'est page 181 dans ce texte-là, enfin, il y a d'autres versions d'éléments d'autocritique, mais dans Éléments d'autocritique, Althusser dit tranquillement, répond tranquillement à disons, l'objection, enfin quand même vous êtes un sale structuraliste, il répond, il se fait des objections à lui-même, c'est une sorte de dialogue imaginaire, et il répond qu'il n'a jamais, qu'ils n'ont, parce qu'il évidemment s'identifie à un collectif, lui et ses amis, les gens avec qui il travaillait, n'ont jamais été structuralistes. Il dit, nous n'avons pas été structuralistes, nous avons été coupables d'une passion autrement forte et compromettante, nous avons été spinozistes. Comme si ça avait dérangé qui que ce soit d'être spinoziste dans les années 60. Bon, vous voyez, donc c'était compromettant de spinozisme beaucoup plus que d'être structuraliste, bien sûr. Bon, voilà donc la réinterprétation. Évidemment, celles d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire du spinozisme savent que précisément Spinoza a été un des noms, disons, de l'appropriation philosophique du structuralisme dans ces années-là. Donc en fait, c'est une sorte de confession freudienne. Très typique de ce dont Althusser était capable. Donc, il relie sa propre histoire intellectuelle d'une manière qui n'est pas sans rappeler la manière dont il relie sa propre histoire personnelle dans L'avenir dure longtemps. Bien, il y aura un travail à faire sur ça, sur cette relecture. C'est amusant. Enfin, amusant. Qui pourrait donner lieu à certaines formes de virtuosité, en tout cas, de lecture. Deuxième exemple, dans l'ordre, Foucault, Michel Foucault. Alors là encore, ça mériterait vraiment d'y revenir très longuement. Mais comme je vous ai dit, donc, les mots et les choses devaient être sous-titrés archéologie du structuralisme. Ça, on le voit, c'est dit dans un entretien qui se trouve dans le livre de Hubert Dreyfus et Paul Rabineau, qui s'appelle Beyond Structuralism and Hermeneutics. Je crois que ça, c'est le sous-titre, en tout cas. Et donc là, Michel Foucault dit que oui, le livre devait s'appeler Archéologie du structuralisme, mais que de toute manière, si vous lisez, j'espère le faire avec vous à un moment, si vous lisez de manière un petit peu attentive ce livre, je crois qu'il n'y a absolument aucun doute sur le fait que son projet est le suivant. Il s'agit de montrer l'importance du structuralisme tout simplement dans l'histoire de la pensée occidentale depuis la Renaissance. Donc le structuralisme est un événement théorique dont l'échelle temporelle se compte en 4-5 siècles. Le structuralisme vient clore une séquence historique qui est ouverte au moment de la Renaissance et qui se trouve avoir en fait la forme d'un groupe de transformation, c'est-à-dire d'un système de variantes. Les différentes épistémées que déploie Foucault dans Les mots et les choses, contrairement à ce qu'on dit, ne se contentent pas de se succéder. Je pourrais vous montrer, j'espère vous montrer,
qu'elle s'organise dans un système et que la fonction du structuralisme n'est pas simplement d'être le bord extrême d'une de ses épistémées, c'est le bord extrême du système de ses épistémées. C'est ce par quoi, précisément, on en sort de l'intérieur. C'est donc, disons, le point extatique. C'était un autre nom que j'avais voulu donner à mon structuralisme, le structuralisme extatique. Voilà, donc il fait une histoire du structuralisme avec une méthode structuraliste. Et le même Foucault dira plus tard qu'il n'a jamais été structuraliste et même qu'il est prêt à accuser de calomnie, ça il le dit dans l'archéologie du savoir. Alors je vous cite directement le texte. « Avez-vous jamais rencontré dans l'un de mes livres le mot structuraliste ? » Vous faites une petite recherche sur un PDF de Les mots et les choses, vous le trouverez, le structuralisme et la forme de la conscience moderne, la forme critique de la conscience moderne, quelque chose comme ça. Et il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Puis il y a les noms propres, hein. Il y a Saussure, Lévi-Strauss et Lacan qui font en fait la clôture, disons, de ce groupe d'épistémés. Bon, donc c'est une inexactitude au minimum, puisque si vous faites une recherche évidemment sur l'ensemble du corpus, vous aurez encore bien d'autres résultats. Bon, toujours est-il, voilà, avez-vous jamais rencontré dans l'un de mes livres le mot structuraliste ? Évidemment, il se pose des questions à lui-même. Donc, personne n'est là pour lui dire, mais oui, Jean-Michel, nous l'avons rencontré. Mais il continue en disant, même dans les mots et les choses, comme quoi il a quand même, vous voyez, la structure freudienne à chaque fois, hein, même dans les mots et les choses, il n'y a aucun terme qui s'y réfère. Alors là, non seulement le mot y est, mais la référence est omniprésente. Il ajoute, et là je pense que quand la violence intervient, c'est un symptôme. J'accuse explicitement de mensonges et de mensonges éhontés des gens comme Piaget qui disent que je suis un structuraliste. Piaget ne peut le dire que par mensonge ou par bêtise, je lui laisse le choix. Ce n'est pas très encourageant, évidemment. Après, on comprend que les gens n'aient pas tellement eu envie de réavancer l'hypothèse parce qu'ils avaient le choix entre être des menteurs ou des imbéciles. Non, c'est pas... On a un peu de respect pour l'auteur, on se sent un petit peu intimidé à le tenter. Eh bien, tant pis, on prendra le risque d'être des menteurs et des imbéciles. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il est lui-même, en fait. En réalité, là, en l'occurrence, à proprement parler, un menteur. Et pour des raisons tactiques, pour des raisons, je ne dirais même pas stratégiques, mais pour des raisons tactiques, évidemment, qui ont à faire avec l'événement mai 68, qui est au cœur de cette histoire. Pour Deleuze, ben c'est beaucoup plus simple, même si j'ai été, je crois, un des premiers à le dire, à publier en tout cas cette observation très simple que Deleuze, effectivement, était animé par un projet de type structuraliste. Et même si je me souviens encore très récemment, il y a peut-être 5 ans, j'ai écrit un article en anglais qui a été peer-reviewed, pour vous donner une idée de la qualité des peer-reviews parfois, dans lequel on disait cet article repose sur l'hypothèse selon laquelle Deleuze aurait quelque chose à voir avec le structuralisme. Cette hypothèse est suffisamment absurde pour que l'ensemble de l'article n'ait aucun sens, quoi. Littéralement, je vous assure. Bon, en fait, il suffit de comparer son texte qui s'appelle « À quoi reconnaît-on le structuralisme ?» qui a été publié dans le collectif dirigé par Gilles Châtelet en 1973, qui est un grand histoire de philosophie, mais on le sait parce que Deleuze lui-même le précise dans l'article, c'est un texte qui a été rédigé en 1967. Et Deleuze insiste beaucoup pour dater précisément ce texte, précisément parce que pour le coup, il a l'honnêteté de reconnaître que ce type de travail est intrinsèquement lié au temps, tout simplement. Le travail de diagnostic est lié au temps. Si vous comparez donc ce texte, à quoi reconnaît-on le structuralisme dont j'ai déjà parlé, avec le diptyque logique du sens et différence et répétition, vous verrez très rapidement que en fait, c'est le programme de ces deux livres. Dans différence et répétition aussi, toute la quatrième partie est consacrée à une lecture philosophique de l'intégralité du structuralisme, qui est d'une finesse impressionnante. Et jusqu'à aujourd'hui, je reste ébahi par disons, les capteurs sensoriels que Deleuze savait avoir et qui lui permettait de voir des distinctions pertinentes pour l'histoire, disons, des sciences humaines contemporaines, avec des outils, enfin, ou avec, en tout cas, oui, avec des matériaux qui ne sont pas du tout ceux dont nous disposons aujourd'hui. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire
dans cette lecture. Bien sûr, vous savez que le second diptyque, disons, de l'œuvre de Deleuze, c'est-à-dire avec Félix Guattari, l'anti-Oedipe Émile Platon, au contraire, se caractérisera par une charge très caractérisée contre le structuralisme, et anti-Oedipe, ça veut dire anti-structure. Je pense que Deleuze et Guattari étaient parfaitement conscients du fait que... Alors là, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans le régime du mensonge, du jeu tactique, etc. On est dans le régime de l'humour. Simplement, il y a des gens qui ont pris la blague un peu trop au sérieux. Mais je pense que Deleuze et Guattari savaient très bien ce qu'ils faisaient en proposant une caricature du structuralisme pour mieux justement proposer quelque chose. Et en gros, l'idée, c'était que finalement, se mettre du côté du structuralisme n'allait susciter que plus de malentendus. Et donc, il fallait peut-être faire ce geste d'écart radical en disant, effectivement, on est non seulement on n'y est pas, mais on est anti. On va dans une direction opposée. Opposée à quoi ? Ben, opposée au structuralisme standard, bien sûr. Alors, le cas de Derrida, et ça, c'est vraiment en passant, hein, sont des objets sur lesquels on reviendra ou pas, et puis peut-être qu'il y a des gens, justement, qui font des recherches dans ce sens-là et qui seront... nous proposerons leurs travaux, j'ai oublié de le dire, mais enfin, j'étais implicite dans ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas dit suffisamment clairement, mais je vous invite à me proposer vos interventions, j'irai vous chercher sinon de toute manière. Mais... donc voilà, c'est des petites indications, bien sûr, hein, pour dresser un panorama d'objets que nous allons traverser ou dans lesquels nous allons puiser, et parfois sur lesquels nous allons zoomer. Bon, alors, le cas d'Derrida et de Lyotard est un petit peu plus délicat, parce que l'un et l'autre, finalement, sont toujours restés du côté de la phénoménologie. Et le diagnostic qu'ils portaient sur le structuralisme se confondait avec la question de savoir qu'est-ce que ça fait à la phénoménologie ? Qu'est-ce que ça fait à l'orientation phénoménologique ? Comment il fallait que la phénoménologie se reconstruise pour répondre aux défis que le structuralisme constituait pour elle, dans toutes ses versions ? Donc, ils n'ont jamais été à proprement parler structuralistes, mais en revanche, hein, ils ont traversé le structuralisme en laissant la phénoménologie être traversée par le structuralisme. En cela, ils s'opposent très nettement à d'autres, disons, figures du mouvement phénoménologique, qui, au contraire, avaient un rapport au structuralisme qui est un rapport de défense. Je pense que Derrida et Lyotard, on pourrait les appeler des accélérationnistes. Il voulait accélérer le devenir, disons, de la phénoménologie en appuyant sur le bouton structuralisme et en radicalisant le structuralisme sur son propre terrain pour le faire revenir à un variant monstrueux de la phénoménologie. Au contraire, par exemple, quelqu'un comme Michel Dufresne, dans un livre qui s'intitule « Pour l'homme », qui a été publié en 1968, qui est vraiment sorti au moment des événements de 68, Michel Dufresne représente à l'opposé exact une figure justement défensive de la phénoménologie qui, finalement, ben, n'en fait rien, précisément. Donc, on voit bien la différence entre des auteurs qui cherchent à se laisser traverser par l'événement structuraliste et des auteurs qui, au contraire, cherchent à construire une sorte de cordon sanitaire et à dire, ben, en fait, il n'y a rien qui mérite d'être marqué dans cet événement. En tout cas, tous ces auteurs ont tenté donc de prendre la mesure du structuralisme à leur manière et, dans le cours de cet exercice, se sont retrouvés à prendre leur distance vis-à-vis du structuralisme, ou en tout cas creuser de l'intérieur une différence. Et au fond, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment se fait-il que cet événement se soit immédiatement renversé dans son contraire ? Dans son contraire, en tout cas, nommément. Et peut-être, ce qu'on pourrait dire, enfin, en vérité, mon hypothèse, c'est que l'énigme du structuralisme comme événement, donc de ce processus de renversement, enfin, en tout cas de ce mouvement de bascule, bien structure la philosophie française des années 60, 68, 60 et 70. Elle la structure au sens où elle rend raison précisément de ces variations, y compris dans ces formes apparemment contradictoires. Alors, cet étrange mouvement de démenti qu'on constate en philosophie, dans la réception philosophique du structuralisme,
ou dans la prolongation philosophique du structuralisme, il est frappant de voir qu'on le constate aussi dans les sciences humaines. Et comme le structuralisme a deux jambes, et j'y reviendrai longuement aujourd'hui, une jambe du côté philosophique, une jambe du côté des sciences humaines et non humaines, ces deux démentis du structuralisme sont inséparables, même s'ils sont un petit peu différents dans leur logique et dans leurs conséquences. Mais là aussi, dans le champ des sciences humaines, la plupart des figures qui ont été associées au mouvement structuraliste ont fini par le récuser. Barthes, pour commencer par celui qui a rendu le structuralisme d'une certaine manière populaire, Barthes dira que le structuralisme n'a été pour lui qu'un moment, le mot qu'il utilise, et même il le caractérise comme étant le moment de la science, auquel succédera le moment du plaisir. C'est dans l'aventure sémiologique que vous retrouvez dans le recueil du même nom. De la même manière, enfin pas de la même manière justement, mais retrouve ce mouvement de démenti chez Lacan, bien que Lacan, et c'est intéressant, ne renie jamais le concept de structure. Et jusqu'au terme véritablement de sa vie, qui est celle qui est aussi le terme de sa parole publique, il revendiquera ce concept de structure comme son concept. Petite note comme ça, bio-bibliographique, Lacan a adressé ses écrits à Althusser, et la dédicace qu'il a rédigée à ce moment-là est la suivante, dit « parce que nous sommes dans la même charrette ». Et la charrette, c'est la charrette structuraliste. J'ai eu envie de, un moment, je me suis dit, ah, ça pourrait être un beau titre, ça, la charrette structuraliste. Ça ne va rien comprendre. Mais voilà, c'est une belle image de ce dont, pour lui, il était en question, hein, c'est-à-dire en fait un objet artisanal, même on pourrait dire bricolé, hein, nécessairement bricolé, en tout cas qui ne relève pas de l'ingénierie, pour employer le mot de Lévi-Strauss, qui permet d'avancer sur un chemin caillouteux, hein, sur un chemin plein d'embûches, et dans lequel on se retrouve les uns et les autres. Donc jamais, jamais, il ne reniera le mot structure. En revanche, et de manière plus précise que beaucoup de gens, en fait, il s'écartera de la notion de structuralisme. Ça, vous le retrouvez dans les autres écrits, page 483. Là, je ne retrouve pas ma citation. Mais enfin, c'est un des passages, peut-être le seul passage que j'ai trouvé dans lequel Lacan explique que le structuralisme, finalement, c'est quelque chose dont il faut se tenir à distance, du mot structuralisme, il faut se tenir à distance parce que ça produit des malentendus, tout simplement. Ça fait des malentendus. Donc, on garde la structure, puis on laisse tomber le structuralisme parce que ça finit par faire des malentendus. Non pas parce qu'on pense qu'il y a une sorte de pureté de la structure, vous voyez, parce qu'une charrette, ce n'est pas très pur, mais parce qu'on pense que la réception du structuralisme est d'une certaine manière trop corrompue, trop brouillée. Une autre figure des sciences humaines fondamentale pour cette histoire, c'est celle de Pierre Bourdieu. Et Bourdieu, qui a commencé comme finalement un sociologue structuraliste, et ses travaux en Kabylie sont particulièrement nets de ce point de vue-là, donc quelqu'un qui applique vraiment des méthodes lévi-straussienne, comme vous le savez, n'a eu de cesse pour le reste de son travail d'essayer de se présenter comme quelqu'un qui dépassait le structuralisme en dépassant en même temps la phénoménologie, ou plus exactement l'existentialisme, ou plus exactement le sartrisme, dans la version en quelque sorte phénoménologico-marxiste que Sartre en a donné. Et le monument de cette présentation d'un dépassement conjoint du structuralisme et de la phénoménologie existentialiste, sartrienne, marxiste, par Bourdieu, eh bien, c'est Le sens pratique, qui, comme vous le savez peut-être, est un livre qui est le résultat de la réécriture de plusieurs livres, y compris ses travaux sur la Kabylie. Donc, on peut vraiment observer là les processus de démenti, de reconstruction, de reconfiguration de son propre édifice textuel pour précisément le toiletter, en quelque sorte, en tout cas, prendre acte de son évolution. Même si, j'y reviendrai, Bourdieu lui-même se revendiquera en fait toujours du structuralisme, y compris dans les méditations pascaliennes, mais d'une version du structuralisme, alors là pour le coup, clean, contrairement à Lacan, toiletté, qu'il référera à Bachelard et à Cassirer, qu'il a édité, comme vous savez peut-être, dans sa collection. Bon, donc voilà, dans les sciences humaines, il y a plein de gens. Eh bien,
Il y a même des morts. Il y a même des morts qui ont récusé le structuralisme. Et le plus grand de ces grands morts qui ont récusé le structuralisme, c'est Saussure, Ferdinand de Saussure, qui, comme vous le savez peut-être, n'a malheureusement pas eu l'occasion de se déclarer structuraliste, mais qui aurait été considéré comme le père du structuralisme, etc. Eh bien, dans les fins des années 60, début des années 70, apparaît comme une figure fondatrice désormais du post-structuralisme, notamment du fait de la réception de tout le travail sur les anagrammes, d'abord présenté par Starobinsky, hein, dans ce texte qui est paru dans des livraisons, dans des revues d'abord, mais dans un livre ensuite, Les mots sous les mots, qui est paru en 71, et qui donnera lieu à tout un ensemble de réactions théoriques qui feront de Saussure la figure justement d'une sorte d'anti-rationalisme post-structuraliste, d'où par exemple ce texte intitulé « La folie Saussure » ou « Les deux Saussures », donc le Saussure structuraliste et le Saussure post-structuraliste. Donc même les morts se sont récusés. C'est un peu comme dans le film de Kurosawa, Rashomon, où à la fin, on appelle le mort à témoigner, et même le mort, ça se termine comme ça, le moine qui dit « Si même les morts peuvent mentir, alors nous sommes perdus. » Voilà la situation, même les morts peuvent mentir. Bon, au fond, il n'y a qu'une seule figure intellectuelle fondatrice du structuralisme qui soit restée fidèle à la notion de structure et au label structuralisme, c'est Lévi-Strauss. Raison pour laquelle on n'a pas tort de l'avoir qualifié d'être le structuralisme en personne. Mais il est à noter que, bien sûr, Lévi-Strauss n'a pu maintenir cette fidélité avec le structuralisme qu'en récusant son compagnonnage avec les figures structuralistes qui lui étaient associées dans le célèbre dessin de Maurice Henry qui s'appelait le banquet structuraliste, ces figures qui étaient justement Barthes, Lacan et Foucault. C'était quatre à constituer le banquet structuraliste. Et dans De près et de loin, les entretiens avec Didier Ribon, Lévi-Strauss explique qu'il n'a jamais bien compris pourquoi on l'associait à ces gens-là, et que ça ne pouvait être que sur la base de malentendus, et que sa famille structuraliste à lui, c'était celle de Dumézil et de Benveniste. Et bien sûr, en fait, de Jacobson. Mais il ne dit pas Jacobson, parce que s'il disait Jacobson, il aurait des problèmes. Et Jacobson, il a quand même des rapports avec Barthes et Lacan, au moins, sinon Foucault. Bon, au-delà donc de ces grandes figures du corpus, on voit bien que c'est avec la même ferveur, si on regarde un petit peu le bruit de, cette séquence de 10-15 années, quoi, qui vont du début des années 60 à la fin des années 70, on voit que c'est avec la même ferveur que tout un monde a embrassé le structuralisme et s'est constitué, disons, une certaine identité générationnelle de chercheuses et de chercheurs dans cet enthousiasme et l'a rejeté avec le même enthousiasme et la même ferveur dans les années 70 et avec la même, disons, opérativité générationnelle, faire une différence dans le temps. Nous avons été structuralistes, on s'est bien fait avoir, mais maintenant on sait, on doit être post-structuraliste, et ça y est, c'est notre temps qui est venu. Voilà, donc ma question, évidemment, la question qui sont organisées, c'est cette recherche-là de critères, c'est que doit donc avoir été le structuralisme pour s'être si immédiatement renversé dans son apparent contraire? Il faut que sa définition soit donc intrinsèquement instable. Il y a quelque chose d'intrinsèquement instable dans cette définition. Et effectivement, si on en reste à la lettre du mot structuralisme, vous savez peut-être, a été inventé par Roman Jakobson dans un article de 1928, d'abord en russe, pour distinguer une orientation de la science russe par opposition à la science occidentale. C'était d'abord une orientation nationale, voire nationaliste. Patrick Sériot a montré dans un livre qui s'appelle « Système et totalité ». Sériot s'écrit S-E-R-I-O-T. Il a écrit dans un livre qui s'appelle « Système et totalité, les proximités », surtout de Trubetskoy, mais aussi de Jacobson avec ce mouvement qui s'appelle l'eurasisme. Donc, de manière assez intéressante, le structuralisme a été employé pour la première fois pour désigner une orientation géopolitique, d'une certaine manière, ou géophilosophico-politique, une orientation de la pensée à caractère régional
qui aurait permis de faire ce grand partage entre l'Occident et la Sainte Russie, d'une certaine manière. Bon, de manière un petit peu plus généreuse, en 1929, il va réutiliser le mot pour caractériser une tendance de la science moderne. Donc, cette fois-ci, le partage, c'est moderne, traditionnel. La science d'avant, la science de maintenant. Et donc, le structuralisme se confond avec la modernité. Donc, ce mot a été inventé par Jacobson. Mais si on s'en tient simplement à la lettre du mot, hein, structuralisme, ça semble vouloir dire une orientation intellectuelle qui consiste à mettre le mot de structure dans une position éminente, pour rester le plus neutre possible, consiste à mettre le mot de structure dans une position éminente au regard de la définition de méthode, au pluriel, éventuellement, ou voire au singulier, comme vous voulez, ou au regard de la définition de son objet. C'est une orientation intellectuelle qui revendique une méthode marquée par une certaine orientation vers la structure, ou les objets, c'est-à-dire on suppose que ce qu'on a à penser ou à étudier scientifiquement ou à penser philosophiquement, ben, ce sont des structures. Donc si on définit le structuralisme comme ça, hein, donc encore une fois, hein, une orientation intellectuelle qui met dans une position éminente cette notion de structure, il n'est pas difficile de voir que c'est susceptible de rassembler un nombre très considérable d'approches théoriques et intellectuelles, non seulement du XXe et du XIXe siècle, où le mot de structure est très présent, mais en fait de toute l'histoire de la pensée. Puisque on a pu traduire par le mot structure, y compris le mot, par exemple, morphé, en grec. Et d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est ce qui n'a pas manqué d'arriver, bien entendu, le mot structure étant si profondément équivoque. Cet équivoque rejaillit sur la notion de structuralisme, et au lieu de pouvoir marquer une différence d'orientation intellectuelle, donc un démarquage, il a semblé désigner une sorte de vague consensus intellectuel qui aurait traversé les âges, les discours et les disciplines. Donc, une telle manière de définir le structuralisme n'a aucun espoir de nous permettre de saisir quoi que ce soit de l'ordre justement d'un événement. Alors là, on peut suivre une indication, une fois n'est pas coutume, de Jacques Derrida, dans son célèbre texte, justement, qui a été le point de départ au moment du colloque de Baltimore en 1967 du post-structuralisme, un colloque qui avait été organisé pour permettre la réception du structuralisme sur le sol états-unien et qui a, en vérité, signé le point de départ précisément de l'engouement post-structuraliste qui a vu le triomphe de Derrida. C'était une époque où, je ne sais pas si ça arrive toujours de nos jours, il y avait des grands colloques dans lesquels, comme ça, il y avait une orientation qui triomphait. Chomsky, c'est pareil. Chomsky est arrivé, un petit gars comme ça, plus ou moins un peu porté comme ça dans ses langes par Jacobson. Il arrive à un colloque et puis paf, tout le monde ressort générativiste. Ils étaient tous rentrés structuralistes, ils ressortent tous générativistes. Et là, bah, ils étaient tous curieux enfin, de ce truc qui se passait en Europe et en particulier en France sous le nom de structuralisme, et boum, ils ressortent tous en fait, complètement enthousiastes pour la déconstruction qui est en fait, selon eux, le moment présent de la pensée. Or, Derrida, justement, dans ce texte, ne défend pas du tout en fait, quelque post-structuraliste que ce soit, au contraire, hein, il cherche à s'enfoncer encore plus dans le structuralisme autant que c'est possible, d'une certaine manière. Donc, ce texte qui est la structure, le signe, le jeu, qui a été republié dans l'écriture et la différence, donc, qui a été prononcé au colloque de Baltimore, je crois que c'est en 66. Hein, 6. Donc, dans ce texte, Derrida fait une proposition qui me paraît extrêmement juste, profonde. Il y a beaucoup de choses profondes, d'ailleurs, dans ce texte, même si, au fond, je pense qu'il y a vraiment une incompréhension très grande et très intéressante, parce que profondément symptomatique du problème qu'est le structuralisme dans ce texte. Mais enfin, il dit la chose suivante, il dit finalement le structuralisme doit être compris comme un événement qui arrive à la notion de structure. Le structuralisme est un événement qui arrive à la notion de structure. Donc, il appréhende l'événement structuraliste comme un événement à proprement parler conceptuel, c'est-à-dire quelque chose qui affecte au point de la faire muter cette fameuse notion de structure. Comme vous le savez peut-être, Derrida
caractérise cet événement comme le passage d'une conception centrée, ou on pourrait dire centraliste, de la notion de structure, plus exactement de la notion de système, finalement. L'idée que s'il y a un système, c'est qu'il y a un centre, quelque part. Il a un concept de centre vachement bizarre. Peut-être on aura l'occasion de faire un petit zoom sur ces textes un jour. Mais bon, donc ce serait le passage donc, d'une conception centrée de la notion de structure à une conception acentrée. C'est-à-dire, ce serait en gros la production d'un concept de système acentré. Autrement dit, ce n'est pas parce que c'est systématique que c'est centré. Ça peut être non centré et systématique. C'est ça le défi conceptuel que le structuralisme, d'une certaine manière, formulerait du coup à la philosophie, c'est-à-dire à l'art d'élaborer les concepts. Donc la question serait, qu'est devenue la structure avec le structuralisme? Qu'est-ce qui est arrivé à la structure, au concept de structure, avec le structuralisme? Et pourquoi ce devenir affectif du concept de structure a-t-il été nécessairement pris dans un mouvement d'auto-récusation? C'est-à-dire comme s'il n'avait pas d'identité stable, comme si l'orientation qu'il indiquait était immédiatement saisie d'une variation qui semblait indiquer une orientation opposée. Quel est cet événement? La réponse est très simple, justement, c'est un événement. C'est un événement, et ce qui caractérise un événement, en tout cas tel que nous autres, les structuralistes, nous pensons la catégorie d'événement, un événement, c'est ce qui rend la grille des catégories qui permettent de l'appréhender obsolète. Donc un événement, c'est quelque chose qui arrive à l'intérieur, on pourrait dire, d'un espace qui le conditionne, d'un espace de conditions, mais qui en même temps périme ces conditions. Et typiquement, si on parle précisément, disons, de caractérisation conceptuelle, ce que ça périme, c'est la grille des catégories oppositionnelles, c'est-à-dire, en gros, les dilemmes conceptuels. Le structuralisme arrive dans un espace qui est structuré par un certain nombre de dilemmes conceptuels. Il faut choisir une chose ou l'autre. Et il est donc normal que cet événement ait été immédiatement rabattu sur chacun des termes des oppositions qu'il récusait. Et en fait, de manière à chaque fois, des deux côtés. Par exemple, l'opposition science et idéologie. Ce sera la première, c'est celle qu'on va traiter au début, dans ce premier critère que j'ai annoncé. Cette opposition science et idéologie, vraiment importante, structurante pour la conscience, disons, de l'époque, intellectuelle de l'époque, est justement ce qui, à mon avis, le structuralisme périme, fait éclater. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe des gens qui se demandent obstinément, est-ce que le structuralisme est une science ou est-ce que le structuralisme est une idéologie? Eh bien, les deux, mes généraux. En vérité, c'était ça le problème, c'est que précisément, vous ne pouvez pas le répartir entre les deux. De la même manière, une disjonction qui était constitutive de l'époque, c'est le sens. Est-ce que c'est un effet ou est-ce que c'est une origine? C'est une origine, comme le disent en quelque sorte les grandes philosophies, finalement, les grandes philosophies, on pourrait presque dire cartésiennes, post-cartésiennes, en tout cas les grandes philosophies, au moins du début, de la fin du 19e, début 20e siècle, quoi, que ce soit de la phénoménologie, de la philosophie analytique, de l'herméneutique, etc. Est-ce que le sens est une origine? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel on pourrait saisir le sens comme quelque chose de premier? Ou est-ce que le sens est un effet? Est-ce que le fait que nous donnions du sens aux choses construit un élément en quelque sorte originaire? Ou est-ce que, en fait, c'est nécessairement un effet d'autre chose qui lui-même n'a pas de sens? Eh bien, en fait, le structuralisme, justement, comme j'ai essayé de le montrer, périme cette opposition pour la remplacer par une autre, qui est de savoir qu'est-ce que c'est qu'exister pour un signe. Mais, par la force des choses, on a reçu le structuralisme en se demandant s'il produisait une théorie du sens comme effet ou une théorie du sens comme origine. Est-ce qu'on pouvait en faire une récupération phénoménologique ou est-ce qu'au contraire, il fallait aller plus loin dans l'idée d'une sorte de mécanisme du sens, de déterminisme du sens? Pareil, une autre disjonction conceptuelle constitutive du champ dans lequel le structuralisme est arrivé, dans lequel il a été immédiatement du coup recouvert, en même temps qu'il donnait les moyens de la périmer, c'est l'opposition de la totalité et de l'élément, de l'individu. Donc, est-ce que le structuralisme est une forme de holisme?
Ça permet de construire un nouveau concept de totalité, ou est-ce qu'au contraire, c'est une forme précisément de destitution des totalités? Et on le voit déjà un petit peu dans ce que j'ai suggéré de ce que disait Derrida. Ben, en fait, les deux, parce que le problème est ailleurs. Le problème, c'est de remplacer l'obsession de la totalité par la notion de transformation. L'opposition de la nécessité et de la liberté. Est-ce que le structuralisme est une forme de nécessitarisme, hein, une théorie déterministe, des phénomènes qu'on dit structurés, ou est-ce qu'il est compatible avec quelque chose de l'ordre de la liberté, que même peut-être il donnerait lieu à une nouvelle pensée de la liberté, comme capacité de structuration? Eh bien, là, c'est pareil, c'est ni l'un ni l'autre, parce que le problème est ailleurs. Le problème, c'est que ce que j'appelais le problème de la constitution des phénomènes, non pas la question de savoir s'ils sont déterminés ou s'il y a de la liberté dedans, mais justement, qu'est-ce qui les constitue? Autre grande disjonction conceptuelle, précisément celle de la structure, précisément, enfin du système et de l'événement. Est-ce que donc le structuralisme est du côté d'une conception, disons, de la synchronie, ou est-ce qu'il est du côté d'une conception de l'événementialité? Eh bien, c'est précisément ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il est du côté du formalisme, ou est-ce qu'il fait une place au contenu? Ouais, c'est pas le problème. On introduit une théorie des stratifications. Du côté de l'a priori ou de l'expérience. Bref, les 10 critères que je vous ai donnés tout à l'heure sont en fait les 10 couples oppositionnels de concepts dans lesquels le structuralisme est à la fois intervenu et par lesquels il a été en même temps recouvert. C'est pour ça qu'il faut passer par eux pour essayer de faire ce travail de rectification, des contresens dont le structuralisme a fait l'objet, en donnant lieu à ce qu'on pourrait appeler donc un structuralisme standard. Un structuralisme standard qui a été donc celui qui fut tout autant adulé que mal défini et tout autant rejeté que mal défini. C'est donc avec ce demi-siècle de recul que je crois qu'on peut tenter cet exercice en profitant des études très nombreuses, et même désormais, en fait, probablement, intotalisables pour un individu humain, sur les différents segments de cette histoire séculaire, désormais. Donc, on peut, à partir de ces documents énormes, de cet énorme travail d'érudition, de recherche, d'hypothèses, de reconstruction même parfois du projet structuraliste, on peut tenter de donner de cet événement une vision qui soit plus exacte et qui permette en même temps donc de comprendre pourquoi il a suscité tant de malentendus. Voilà, c'est ce que je vais essayer donc de faire dans le cours de cette présentation, pour essayer donc de dessiner quelque chose comme une orientation structuraliste qui permette de comprendre ce que j'appelais tout à l'heure sa récurrence interminable, cette éternité du structuralisme qui tient au fait que précisément il a été recouvert, mais sans cesse il y a quelque chose qui ressort de cet étouffement en quelque sorte dont il est l'objet. Voilà, donc je pense que ce devenir de la structure que le structuralisme représente d'après Derrida représente une orientation intellectuelle qui indique un cap, encore une fois, dans l'horizon présent, dont je ne vois absolument aucune raison de penser qu'il ne fait pas véritablement partie des grandes lignes de force de notre présent intellectuel. Voilà donc pour ma petite présentation. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je m'arrête là et on discute, soit je commence à vous présenter le premier chapitre, donc, sur la question de savoir si le structuralisme dispose d'un standard, il faut chercher un standard du structuralisme, ou s'il faut procéder autrement. Et, comme on dit, mon hypothèse, c'est qu'il faut chercher au contraire quel est le problème du structuralisme. Est-ce que peut-être on peut commencer à ouvrir le champ de la discussion s'il y a intervention? Alors, je vais devoir en fait passer le micro. Ah ben Jeanne, tu as le micro, super. Alors, je vous présente Jeanne Etlin, qui s'est occupée de m'expliquer comment fonctionnait la technique de l'affaire,
qui est par ailleurs doctorante à l'université Paris-Nanterre. Et vous pouvez donc vous présenter pour que puisse vous. Merci, puisque ça a été présenté de manière historique pour ce. Donc c'est Arnaud Esquer. Ah, pardon, Arnaud Esquer. J'avais une question pour toi. C'est-à-dire, au fond, pourquoi est-ce que c'est un. Si c'est un moment ou un événement. Pourquoi est-ce qu'il est français avec juste cette intrusion russe de Jacobson? Et en fait, comment est-ce que tu réinscrirais Jacobson lui-même dans une filiation? C'est-à-dire, en fait, de quoi Jacobson est-il le mouvement, si je puis dire, pour pouvoir faire venir le structuralisme? Ce qui déplacerait, en fait, la possible généalogie. Et j'ai une deuxième question qui serait toujours dans cette recherche d'extériorité. Il y a un ouvrage de Berlin sur les racines du romantisme, dans lequel il finit en conclusion sur le fait qu'il y a de multiples possibilités de caractériser le romantisme selon les auteurs, les autrices, etc. Mais qu'au fond, peut-être je simplifie, ce qui de son point de vue, pourrait caractériser le romantisme, c'est son opposition à la structure. Très curieux, ça. Et donc, j'aurais cette question-hypothèse, en quelque sorte, hein, de me demander si, au fond, le structuralisme n'est pas une réaction au romantisme. Merci. Oui, alors effectivement, pourquoi c'est français? C'est une bonne question. Effectivement, alors c'est français dans la mesure où je pense que c'est dans l'espace intellectuel français que le structuralisme a vraiment été représenté comme ce que j'appelle une orientation intellectuelle pour l'ensemble, en quelque sorte, du champ intellectuel, une orientation de la pensée en général. Et il me semble qu'il n'y a pas d'espace dans lequel, il n'y a pas d'autre espace national, ou même linguistique, on pourrait dire, dans lequel l'articulation, la rencontre, dont je vais expliquer qu'elle est vraiment cruciale, puis je l'ai un petit peu dit, entre, disons, la philosophie et des pratiques non philosophiques, ait été si étroite, voire même simplement existé, quoi, à proprement parler. Donc il me semble que le buzz, si on veut, quoi, autour du structuralisme n'a nulle part été aussi fort que dans le monde intellectuel français des années 60. C'est la raison pour laquelle c'est une bonne entrée, en fait, hein, en matière. Après, ce qu'on va évidemment regarder, on regardera bien sûr d'autres, disons, trajectoires historiques de la notion de structure, mais comme je vais essayer d'argumenter et de défendre l'idée selon laquelle il n'y a pas structuralisme, il n'y a pas ce débrayage, comme je l'appelle, du théorique sur le spéculatif, des disciplines scientifiques, des pratiques scientifiques sur la philosophie. Donc bon oui, il y a une filiation russe, mais enfin pour nous autres, les Saussuriens, il y a une filiation suisse, mais surtout danoise, à vrai dire, hein, parce que je tiens en très haute importance en fait la figure de Jemslev, en tout cas dans la compréhension des enjeux du structuralisme, y compris d'ailleurs dans ses aspects philosophiques. Mais aucun de ces espaces, hein, même quand ils étaient disciplinaires, ce qui fut le cas à Prague, à Copenhague, à New York, etc. Aucun de ces espaces n'a véritablement, disons, conquis, justement, comme on va le voir sur mon truc là, de standard au problème, le champ de l'opinion publique. Et je tiens ce genre de phénomène pour très important, en fait. Ce n'est pas un détail. Je vais essayer d'ailleurs de expliquer pourquoi les gens qui, à mon avis, enfin, les gens qui ne prennent pas en compte, en fait, cette dimension de l'opinion publique, du buzz, en quelque sorte, ratent nécessairement l'événement dont il est question ici. Ce qui amène du coup à ta deuxième question, en fait, sur le romantisme. Alors c'est assez intéressant parce que dans les différentes versions des critères que j'ai rédigés, il y avait romantisme et classicisme. Il y avait romantisme et classicisme parce que la notion de système est une notion alors vraiment romantique, hein. Il y a un holisme romantique très fort, effectivement. Mais c'est vrai que le structuralisme, à certains égards, tu le dis très justement, peut être perçu, c'est d'ailleurs comme ça que Foucault le décrit finalement dans Les mots et les choses, comme une réaction classique, quoi.
a un héritage romantique, celui de l'histoire, etc. Donc là, ce serait encore un cas typique dans lequel cette disjonction, vous êtes romantique ou vous êtes classique, en fait, est périmée. Et ça, Foucault le voit bien, d'une certaine manière, parce qu'il voit aussi que c'est au-delà de cette opposition à l'histoire que se joue, en fait, ce qu'il identifie comme les trois sciences, hein, c'est-à-dire, en gros, la sémiologie, l'anthropologie et la psychanalyse. Voilà, donc je te remercie de cette référence, parce que effectivement, je ne l'avais pas. Alors, elle, encore une fois, il faut noter le fait qu'elle est curieuse. Hein. Elle est curieuse parce que, je veux dire, Hegel, Schelling, grandes figures du romantisme, sont évidemment des figures que beaucoup de gens ont associées au structuralisme, à commencer par Jacobson lui-même, qui se revendiquait d'ailleurs de Hegel. Hein. Il y a pas mal de textes du Cercle de Prague qui cherchent à faire une réinterprétation hegélienne du structuralisme. Et pas pour rien, parce que c'est la notion de système. Et d'ailleurs aussi en Russie. En fait. une traduction en fait, de l'hegélianisme qui fait partie, disons, du milieu de culture d'où va émerger en fait, des gens comme Trubetskoy, etc. Donc dans Système et totalité, le livre de Patrick Sériot auquel je faisais référence, il y a plein de références là-dessus où on voit très bien que c'est un imaginaire romantique. C'est vrai que c'est intéressant de voir que Berlin est probablement victime d'un de ces mouvements de balancier sur une opposition périmée par l'événement. Sinon, ce serait mon hypothèse, mais en tout cas, je vais regarder mon signe. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, contributions? Oui. J'hésite à poser la question parce que tu as sûrement parlé énormément. Emmanuel Loyer. Dans ce mouvement de comme tu dis, de démenti, il y a un autre événement qui est. Moi, je suis historienne, c'est mai 68. Est-ce que tu comptes articuler je suppose que oui. Oui. Oui, je compte en parler au moment que je parlais de la notion d'événement, de fait que l'événement structuraliste périme l'opposition, justement, synchronie-diachronie, enfin, ou en tout cas système-événement. Et là, je vous présenterai un travail que j'ai fait justement sur mai 68. Ouais, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais oui, c'est central, bien entendu. C'est-à-dire, parce que, ben, je l'ai dit à un moment, je crois, j'ai dit, en fait, dans les... Exactement, c'est-à-dire la compréhension des mouvements tactiques, notamment de Foucault, par exemple, mais aussi de Deleuze et Guattari, la question de mai 68, effectivement, est centrale. Et en fait, j'ai soutenu la thèse sur laquelle mai 68, c'est vraiment l'équivoque du structuralisme. Quand on le regarde du point de vue théorique, alors on a presque toute l'histoire que je vais raconter est concentrée dans mai 68. Donc, évidemment, c'est l'histoire que je raconte... disons, sa périodisation est vraiment très liée à mai 68. C'est quoi je dis d'ailleurs, c'est il y a 50 ans maintenant. En fait, c'est un peu plus, quoi, parce que le temps passe. Mais oui, bien sûr, au fond, ce qu'il y a derrière, c'est effectivement mai 68 à tous égards, quoi. C'est-à-dire à la fois à l'égard, disons, justement, des contraintes sociologiques qui pèsent sur les stratégies des acteurs, comme on dirait, pour s'identifier comme ci ou comme ça. Et en même temps, je pense vraiment du point de vue du diagnostic philosophique lui-même, et sur mai 68, et sur ce que le structuralisme donne comme ressource intellectuelle. Quoi. Donc, absolument, ça pourrait se confondre avec un livre sur mai 68 en théorie. Moi, je suis Alexandre Matéi. Alexandre Matéi. J'ai une petite question. En fait, tu as mentionné une seule fois le nom de Barthes. Barthes parle effectivement du moment structuraliste et c'est un moment biographique aussi. Est-ce qu'il ne rejoint peut-être pas ainsi l'idée ou la trouvaille, en quelque sorte, l'idée de Derrida sur l'événementialité du structuralisme? Et est-ce que si l'on pense à l'événement comme une sorte d'intensification de la temporalité, d'une sorte d'intensification temporalisante. En fait, le structuralisme est récurrent, donc c'est un
problème qui se pose à tout moment. Mais l'événement, ça a été alors. Ça a été alors, c'est-à-dire dans les années 60. Et puis, oui, il peut continuer effectivement à nous interpeller. Pardon. Mais en fait, Barthes a raison de dire qu'il y a eu un moment qui est en fait passé. C'était une intensité qui est passée, en quelque sorte, qui s'est dissoute et qui a laissé lieu à autre chose. C'est pas mal ça, le structuralisme intense. C'est pas mal le structuralisme standard versus le structuralisme intense, le structuralisme intensif. Oui, c'est clair que, disons, le régime d'événementialisation du structuralisme de Derrida et de Barthes dans le texte qu'on a en tête, toi et moi, l'aventure structuraliste, est vraiment pas du tout le même. C'est-à-dire que pour Barthes, c'est une événementialisation, c'est une périodisation qui est biographique, en fait, biographico-conceptuelle. Alors que pour Derrida, c'est une événementialisation, c'est une périodisation épocale, c'est le mot, épocale. Épocale au sens vraiment heideggerien, c'est-à-dire comme toujours avec Derrida, il va inscrire finalement l'événement toujours dans la dimension, disons, d'une destination épocale de toute l'histoire de l'Occident, raison pour laquelle d'ailleurs ça m'est insupportable en général. Mais en même temps, on voit bien l'intérêt de faire ça, c'est-à-dire l'intérêt, c'est de dire encore une fois, l'événement arrive à un concept, hein, il n'arrive pas à une personne. Alors que Barthes, dans sa tendresse fondamentale, quelque chose de très tendre, dire ben voilà, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Quelque chose qui m'est arrivé, comme ça est arrivé à d'autres, ça a saisi des corps, etc. Bon, donc c'est vrai que j'ai beaucoup plus de tendresse pour la manière dont Barthes se rapporte à l'événement que la manière dont Derrida rend cet événement très solennel, quoi. Mais c'est vrai que d'un point de vue, disons, philosophique, le diagnostic que Barthes fait, que Derrida fait, est plus intéressant parce qu'il situe les choses au niveau du concept, quoi, tout simplement. Donc c'est plus facile pour moi, puisque je pense qu'il y a un travail, ce travail de caractérisation conceptuelle du structuralisme reste à faire, en fait. Donc, je suis plus sensible, évidemment, aux gestes que Derrida fait. Après, je suis assez, effectivement, sensible aussi à ce que tu dis sur cette idée selon laquelle le structuralisme comme passage, donc cette version du structuralisme comme intensité qui passe, quoi, et qui, d'une certaine manière, n'a pas à revenir, n'a pas cette récurrence éternisante malarméenne que je lui accorde, quoi. Effectivement, ce serait possible de voir les choses comme ça, mais il faut faire un petit peu attention, parce que là, on est sur le fil d'un malentendu, d'une équivoque, typiquement. Il y a une manière de penser cette idée d'intensité, de passage, qui consiste à la réduire finalement à un fait historique. Un fait historique qui est, disons, datable dans une chronologie, situable par un certain nombre d'acteurs. Je ne dis pas que ça, ce n'est pas intéressant, hein, mais je pense que ce n'est pas suffisant, voire que même pour le faire, on a probablement besoin d'un concept en fait, qui ne repose pas simplement sur ça, sur les différents, disons, qui ne se contente pas de faire une objectivation, disons, sociologique et historique, hein, des usages qui ont été faits du mot par des acteurs. Donc, il y a un sens du mot passage qui pourrait vouloir dire ça. C'est-à-dire que ce que ça m'a fait, à un moment donné, devient un fait, un simple fait, inscrit dans une histoire. Or, je pense que ce n'est pas exactement ce que veut dire Barthes. Je pense que Barthes, si on l'entend dans le sens que tu proposes, à vrai dire, à savoir comme intensité, alors cette intensité, elle est quand même assez proche de mon éternité à moi. Parce que cette intensité, certes, elle se confond avec le fait... elle dit que le structuralisme comme événement se confond avec le fait qu'on cesse de l'être. Mais ce n'est pas un fait historique et social datable, disons, de l'histoire sociale des pratiques intellectuelles, simplement datable. C'est effectivement quelque chose qui n'en finit pas de finir. Et c'est un événement.
en gros, pas un fait, mais à proprement parler, un événement. Et donc, moi, je récupérerais bien cette suggestion-là de l'intensité pour la reverser dans ma petite théorie pour dire que cette possibilité, disons, structurelle de notre horizon intellectuel que j'appelle l'orientation structuraliste, ce n'est pas un truc positif, quoi, simplement qu'on pourrait habiter. Non, c'est effectivement extatique, c'est-à-dire que c'est un mouvement en fait, qui t'envoie ailleurs, d'une certaine manière. Effectivement, on ne peut redevenir structuraliste qu'en étant pris dans le mouvement par lequel, en même temps, on doit cesser de l'être. Ça, j'en serais ravi, d'une certaine manière. Mais ça veut dire ne jamais cesser de l'être. En fait, hein. Et ce n'est pas des jeux de mots. Enfin, je pense que c'est réellement, pour le coup, si je puis parler de ma biographie à moi, c'est mon histoire, en fait. Moi, je suis rentré dans le structuralisme avec l'idée selon laquelle il fallait y entrer pour mieux en sortir et pour rendre en fait, disons pour rendre les coûts d'une sortie du structuralisme plus élevés en fait, enfin moins facile quoi. Et en fait finalement je suis toujours là, je suis toujours à essayer de déterminer les seuils et les coûts à partir desquels effectivement on peut dire on est ailleurs. Et c'est vraiment frappant, hein, parce que c'est le même trope que tu trouves, par exemple, chez Foucault dans Les mots et les choses. Et il est en train de décrire un événement en train d'arriver dont il n'y a pas vraiment, on n'est pas de l'autre côté de l'événement, on est au milieu de lui, donc il ne cesse pas d'arriver. Il n'y a pas de terme à cet événement. C'est un événement interminable, à proprement parler. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça même, on pourrait imaginer que c'est peut-être pour ça qu'il dit que le structuralisme et la conscience critique... de la conscience inquiète de la modernité, quelque chose comme ça, parce que si on l'emploie au sens un peu freudien, quoi, c'est-à-dire c'est une analyse, quoi, c'est là où la conscience intellectuelle moderne s'analyse, comme dirait Freud, de manière interminable, quoi, n'en cesse pas de finir avec elle-même et de faire sa psychanalyse continue. C'est très marrant. Alors, oui, peut-être donc Nassim, si tu peux prendre la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Alors, j'essaie d'activer la vidéo, mais je n'y arrive pas. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Juste une question, Patrice, sur lorsque tu as abordé le problème de la causalité, tu as eu la formule de qualifier le projet comme un projet qui ne serait pas explicatif, mais qui chercherait à voir comment les phénomènes se constituent. Et donc, j'ai repensé à un séminaire au Collège de France de Descola qui date d'il y a 2-3 ans, je crois, qui s'appelait « Qu'est-ce qu'un comparatisme ?» Et je me demandais comment finalement on peut évacuer l'explication même lorsqu'on expose. C'est-à-dire que voir comment les choses se constituent, est-ce que ce serait pour toi, hein, est-ce que ce serait finalement un niveau descriptif ou un niveau d'exposition qui s'arrêterait là et qui ne chercherait pas à basculer du côté de l'interprétation ou l'explication? Oui. Oui, la phrase, une des phrases de Saussure qui me guide en permanence, en fait, c'est une phrase où il dit que le travail du linguiste consiste à déterminer les unités pertinentes du langage et sa tâche s'arrête là. Et après, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que si on a déterminé ce qui vaut comme signe, il n'y a pas besoin en plus de chercher à savoir quel sens ça a. Par définition, on sait ce que c'est, en fait, comme signe. Donc, on a le sens aussi. Et c'est un truc c'est une phrase qui me guide, effectivement, et j'essaierai d'argumenter en faveur de l'idée selon laquelle caractériser en fait les phénomènes, ce qui veut dire aussi les recaractériser autrement que ce qu'ils n'ont été, finalement, c'est le tout d'un travail théorique. Il n'y a plus rien. Une fois qu'on a réussi à déterminer ou à redéterminer les entités auxquelles on a affaire ou les unités auxquelles on a affaire, c'est fini. Il n'y a ni besoin de les expliquer, ni besoin de les interpréter. On a produit un savoir. Un savoir qui, d'une certaine manière, se suffit dans son ordre, en tout cas.
Et ce que je veux dire, c'est que la notion de structure, elle a son objectif, en quelque sorte, il est là. Et il n'est pas de proposer justement une nouvelle hypothèse explicative alternative à d'autres. Elle est de comprendre justement comment les unités phénoménales se déterminent les unes par rapport aux autres, par différence. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, et alors la mention que tu fais effectivement du séminaire de Descola, et j'y reviendrai parce que j'avais énormément aimé ce séminaire. J'avais été très impressionné finalement à quel point je me sentais proche de Descola. Et effectivement, dans ce séminaire sur le comparatisme, on voit bien quand même que Descola comprend que la tâche d'une anthropologie structurale, elle est simplement de déterminer ce qui vaut comme variante, de caractériser les variantes, les bonnes variantes. Et une fois qu'on a caractérisé les variantes, disons, en tout cas, c'est un travail en soi. Ça n'explique rien, mais ça n'a pas besoin d'expliquer pour produire un effet de connaissance, et peut-être même de connaissance première, à vrai dire. Hein, même. Enfin, je suis pas sûr, mais enfin, c'est toujours utile de savoir de quoi on parle. Quelles sont les unités, quels sont nos objets pour ensuite savoir si on doit, comment les expliquer, disons. Ça pourrait soutenir la thèse sur laquelle c'est peut-être le travail premier, en fait. C'est aussi quelque chose qu'on trouve. Enfin, bref, je ferme, on y reviendra. Mais ouais, merci beaucoup pour ces références. Et je vais reparler dans le premier chapitre là, qui porte vraiment sur le. Faut-il supposer qu'il y a un standard du structuralisme, ou faut-il aborder le structuralisme à travers l'ensemble des variantes, y compris conflictuelles, du structuralisme. Je reparlerai un moment du séminaire de Descola et de son retour à l'épistémologie, qui est très utile à mon avis. Voilà. Bon, oui. Alors, le micro est là. J'ai une autre question, parce que est-ce que tu pourrais préciser les dimensions disciplinaires, parce qu'au fond, tu as glissé un peu rapidement, si je puis dire, en mettant la philosophie au cœur, mais comme si les autres étaient plus ou moins philosophes, si je peux dire. Or, le point de départ central, c'est la linguistique. Donc, comment, au fond, ce que tu as dessiné là, c'est comme moment, c'est la sortie de la structure de la linguistique pour se répandre, si je puis dire, dans la philo, principalement l'anthropo, et un peu dans la socio, mais ça c'est un autre sujet, et la psychanalyse. Alors, qu'est-ce que c'est au fond, qu'est-ce qui permet cette opération, en fait, de la sortie de la linguistique, si je peux dire, la sortie de la structure de la linguistique. L'exode de la structure de la linguistique. Et qu'est-ce que ça veut dire de l'articulation de la Jérusalem, en fait, spéculative. Oui. Écoute, vraiment, ça, c'est l'objet de mon premier chapitre. Hein. C'est sur cette articulation, justement, le fait de défendre l'idée sur laquelle l'identité du structuralisme, une juste caractérisation du structuralisme, implique cette articulation entre philosophie et non-philosophie, et des pratiques, donc, caractère scientifique, qui se revendique comme tel. Ça, c'est vraiment l'objet de mon premier chapitre. Donc, en fait, je vais en parler vraiment là, parce qu'effectivement, là, j'essaie de justifier pourquoi je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler, en regardant comment les autres ont fait, et en disant, vous voyez, ça va nulle part, en fait. Alors que mon truc à moi, ça va quelque part. En tout cas, voilà, c'est un petit peu comme ça, une espèce d'argumentaire dialectique. Bon, je dirais simplement, comme on va le voir tout de suite ou dès la prochaine fois, mais oui, c'est la sortie de la linguistique, mais tu vois, tu as dû rajouter tout de suite des disciplines, quoi. En fait, sortie de la linguistique, mais on va dire vers la philosophie d'abord. Encore que, hein, dès le départ, à Prague, il y a des dialogues avec des philosophes, il y a une interprétation husserlienne de la phonologie, etc. Enfin, disons, le structuralisme a été constitué comme une question pour la philosophie parce qu'il a d'abord été constitué comme un paradigme transversal
pour l'ensemble des sciences humaines, voire pour l'intégralité de la rationalité scientifique. Et ça, c'est arrivé en plusieurs temps, mais bon, on peut dire quelque part que c'est à New York que ça s'est fait. C'est vraiment la rencontre, non seulement entre Lévi-Strauss et Jacobson, mais aussi un des premiers grands textes en fait, sur structuralisme, vraiment élaboré, c'est celui de Cassirer, qui est publié dans Word en 1945. Donc c'est aussi, et ça, c'est vraiment New York. C'est une époque mais, où je voulais écrire. Je comprends, mais ma question, si tu veux, peut-être d'un point de vue de sociologue, il n'y a pas d'évidence à ce que le langage soit au cœur du dispositif. Je trouve que tu es tellement dedans, d'une certaine manière, que ça a l'air évident. Ça ne l'est pas, en fait. Absolument, mais je vais dans mon premier chapitre, je vais montrer d'autres hypothèses sur le structuralisme, parce qu'en réalité, une des grandes généalogies, à mon avis un peu imaginaire, du structuralisme, mais ce n'est pas du tout la linguistique, c'est les mathématiques. Une autre, c'est la biologie. Une autre, c'est la sociologie. Etc. Donc, c'est pas vrai du tout que le structuralisme aurait été intrinsèquement lié à la linguistique. Il se trouve que l'événement dont je parle, en l'occurrence ici, il se trouve qu'il a été, si on veut en restituer la généalogie, alors oui, il y a un rapport privilégié avec en fait, la question du signe. Et donc ça, on va y revenir en détail. Mais du point de vue des disciplines convoquées, en fait, elles sont extrêmement nombreuses. Et puis, j'insisterai pour dire que, disons, cette référence à la linguistique, justement, ne peut pas être constituée en standard. Ça rate complètement. Donc, quand on a cherché à faire un standard linguistique du structuralisme, on s'est rendu compte que ça, ce n'était pas vrai, quoi. Il n'y avait pas d'application d'une méthode linguistique. Par contre, il y a une rencontre, je vais le dire, une rencontre des problèmes, il y a des choses de ce type-là. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais J'attends la prochaine séance. Mais je suis pas d'accord sur le fait. Aussi. Non, mais je suis pas d'accord sur le fait. Compte tenu du, par exemple, si on prend ne serait-ce à ce moment-là que Lévi-Strauss qui a attendu Jacobson en fait pour qu'il y ait cette. Alors que depuis, de par son parcours en fait, il avait connaissance d'autres disciplines auparavant. Donc je pense précisément, notamment de la sociologie, qu'il pouvait pas le faire depuis. Ça ne pouvait pas avoir lieu depuis la socio, en fait. Absolument, c'est l'importance du concept de signe, en fait, en réalité, dans la constitution de l'événement structuraliste dont je parle, au sens où Derrida dit que c'est quelque chose qui arrive à la notion de structure. En fait, c'est que c'est inséparable de l'introduction de la problématique des signes. Effectivement, et ça doit s'argumenter. Mais pour l'argumenter, comme je t'ai dit, ce que je vais faire, c'est montrer quelles autres caractérisations on a tenté de donner du structuralisme et pourquoi, en fait, d'une certaine manière, elle me semble assez peu convaincante. C'est comme ça que je vais d'abord argumenter, puis dans le deuxième chapitre, il est sur ça, en fait. Le deuxième chapitre, il est justement pourquoi, en fait, c'est la question du sens et du signe qui, en fait, va donner un critère utile et que si on ne l'a pas, on est un peu perdu, en fait, dans justement la multiplicité absolument considérable des usages du terme. Mais bien sûr, c'est Pourquoi il a fallu cette rencontre, au minimum cette rencontre entre Lévi-Strauss et Jacobson, c'est évidemment une des choses qu'on va devoir expliquer ou peut-être simplement caractériser. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on commence ? On entre un peu on entre un petit peu, puis on un quart d'heure pour vous donner l'introduction. Peut-être Quentin, vous voulez, sauf s'il y a d'autres interventions. Si c'était un lien avec une opposition apollinienne dionysiaque, ou si c'était par rapport à Viveiros de Castro et ton article que tu avais écrit. Ah oui, ben c'est l'inverse. C'est-à-dire, si j'ai écrit un article sur Eduardo Viveiros de Castro qui s'appelle Dionysos anthropologue, c'est parce que depuis longtemps, depuis ma thèse que j'ai écrite en 2002, j'avais défendu l'idée selon laquelle il fallait en fait caractériser un structuralisme dionysiaque, effectivement, par opposition à un structuralisme apollinien. Et là, c'est marrant d'ailleurs, parce que on retrouve l'opposition classicisme-romantisme, mais le dionysisme n'est pas un romantisme, disons. C'est ça qui est intéressant dans le dionysisme. Bon, écoutez, et juste pour vous annoncer ce qu'on verra la prochaine fois, si vous avez la gentillesse et la patience ou le sens du martyr de revenir pour ce travail collectif, je vais donc commencer à vous présenter le premier aspect de cette enquête.
qui, comme je vous l'ai dit, part de contresens. On cherche à identifier le structuralisme par un ensemble de contresens. Donc, le premier contresens, qui est constitutif, à mon avis, du structuralisme standard, c'est précisément de supposer qu'il y a un standard du structuralisme, c'est-à-dire un format de référence incarné dans le corpus, donc un format de référence qui permet de classer toute une multiplicité d'occurrences dans un même groupe qui serait de ce fait bien défini. C'est ça un standard. Un standard, c'est donc quelque chose qui est à la fois concret et fonctionne comme un format pour classer d'autres objets concrets. Donc, le structuralisme standard fait l'hypothèse, ou plus exactement préjuge, qu'il y a un standard du structuralisme et qu'il est nécessaire qu'il y en ait un pour que ça ait un sens de parler de structuralisme. Et à l'inverse, on va voir en fait, qu'il n'y a pas de standard du structuralisme, c'est-à-dire autrement dit, on va voir que toute tentative pour identifier un noyau univoque qui permettrait de rapporter toutes les occurrences de la notion de structure ou une revendication structuraliste à une identité d'essence. Donc, toute tentative pour identifier ce noyau univoque qui permettrait de classer dans un même groupe certaines choses et d'en exclure d'autres, toutes ces tentatives échouent. Et que sur la base de ces échecs, en analysant les paramètres de ces échecs, de manière totalement immanente et presque hegélienne, nous pourrions dégager justement un certain nombre de cette fois-ci non pas de préjugés, mais d'hypothèses qui permettent de savoir comment appréhender l'unité et l'identité du structuralisme, en se rendant compte que le structuralisme est justement strictement coextensif à sa propre multiplication. Ce qui veut dire en fait qu'il y a une structure du structuralisme. C'est pour ça que je faisais référence à cette phrase de Lévi-Strauss qui dit « Ou la notion de structure n'a pas de sens, ou ce sens est lui-même structuré. » Et ce qu'il voulait dire, c'est exactement ce que je viens de dire, je crois. Et on lit le texte, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, la notion de structure ne peut être repérée que si on fait le travail, de faire, on pourrait dire, une anthropologie comparée des structuralismes pour essayer de comprendre quelle est la logique de leur dispersion, la logique même de leur dispersion, y compris dans des formules qui sont antithétiques. Alors, qu'est-ce que c'est que supposer qu'il y a un standard du structuralisme ? Donc, c'est supposer, donc ça a été, donc, dans le fait, supposer qu'il existe, qu'il aurait existé quelque part, en général dans le champ des sciences, mais parfois aussi justement dans le champ, disons, on pourrait dire de la philosophie, un discours non scientifique, un concept précis de structure qui, justement, comme le disait Arnaud à l'instant, après avoir prouvé son efficacité dans son terrain d'origine, aurait été ensuite exporté à des domaines voisins, puis plus éloignés, puis plus nombreux, pour finalement éventuellement apparaître comme le concept caractéristique de la rationalité scientifique, soit dans son actualité moderne, on l'a vu avec Jacobson, c'est le concept de la modernité scientifique, soit tout simplement en fait, de la science en général, de la rationalité scientifique en général, qui aurait enfin acquis, disons, sa propre compréhension conceptuelle grâce à la notion de structure. Donc, dans cette version ultime, représentée par certaines personnes, comme par exemple Gilles Gaston-Granger à certains égards, j'en nommerai plusieurs, dans des versions un petit peu plus échevelées, il y a un livre de Jean-Marie Benoît qui s'appelle « La révolution structurale ». Pas mal de textes de l'époque comme ça qui vont jusqu'à l'idée selon laquelle, en fait, le structuralisme, c'est la rationalité scientifique. Mais je vois en fait deux manières de comprendre cette version extrême qui consiste à dire finalement, avec le structuralisme, c'est la rationalité scientifique qui s'est enfin explicitée. Il y a une première qui consiste à dire que finalement, on aurait compris que toute méthode scientifique est structurale. C'est au niveau de la méthode que ça se jouerait. Si donc toute science est structuraliste, c'est parce que toute méthode proprement scientifique est de nature structurale. On va bien savoir ce que ça veut dire, mais bon.
Mais il y a une autre version qui est moins connue, mais qui est aussi intéressante, qui est de dire en fait que tout objet scientifique digne de ce nom consiste, tout bien considéré, en une structure. Ça, c'est deux orientations assez différentes, en réalité, qui ne sont pas équivalentes. En gros, la première relève de l'épistémologie. Ça consiste à dire que finalement, l'épistémologie vraie, la véritable théorie des sciences, aboutit à la thèse selon laquelle la procédure proprement scientifique, la grande question de qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique, trouve une réponse en disant c'est une méthode structurale. Alors, j'ai fait allusion à Bourdieu tout à l'heure et je suis très frappé par le fait que c'est comme ça que Bourdieu en fait, comprend le structuralisme. Je crois que c'est dans les méditations pascaliennes. J'ai soudain un doute parce que je n'ai pas mis la référence ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est page 9. Non, c'est dans Raison pratique, pardon. Dans Raison pratique, dans un petit volume publié en point seuil, Raison pratique, où Bourdieu dit que l'essentiel de son travail repose sur une position théorique qui est en premier lieu, je cite, une philosophie de la science qu'on peut dire relationnelle et qui, si l'on en croit des auteurs aussi différents que Cassirer et Bachelard, qui très franchement entre nous ne sont pas très différents, est celle de toute la science moderne. Donc, lui, il voit comme étant caractéristique la science moderne, mais science moderne, pour lui, ça veut dire depuis Galilée. Et même éventuellement avant, puisque... il fait référence au livre de Cassirer, Substance et fonction, et explicitement, il dit donc que son projet intellectuel à lui, Pierre Bourdieu, est d'appliquer aux sciences sociales les approches, justement, anti-substantialistes. Là, il fait référence au livre donc, Substance et fonction de Cassirer, ce qu'il appelle donc une pensée relationnelle, c'est ce que Cassirer appelle fonctionnelle. Et Cassirer, dans Substance et fonction, fait un vaste parcours, absolument passionnant d'ailleurs, et qu'il a lui-même récusé après coup. Important de le dire, dans la série des livres qui s'appelle Philosophie des formes symboliques, mais dans Substance et fonction, qui doit dater de 1907, un truc comme ça, donc tout début du XXe siècle, il fait un vaste parcours de l'ensemble des disciplines scientifiques, en commençant par la logique, les mathématiques, la physique, la biologie, etc., pour montrer que justement il y a une mutation, alors cette fois-ci des sciences véritablement modernes, c'est-à-dire de la fin du XIXe siècle, en lien avec la crise des sciences, qui est justement ce passage où ce c'est vrai que c'est très bachelardien, parce qu'on se débarrasse de l'imaginaire substantialiste pour entrer dans une pensée de type fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'il va définir chaque concept scientifique, c'est des concepts, hein, chaque concept scientifique relativement à un autre, par sa relation fonctionnelle à un autre. L'exemple, c'est la notion de masse. Donc la notion de masse, au lieu d'être référée à la notion de poids, la notion intuitive de poids, va être référée à la notion de vitesse. Donc elle est définie corrélativement avec un autre, dans une fonction. Donc c'est ça que Bourdieu identifie comme étant son orientation. Autrement dit, ce qu'il aurait finalement retenu de sa trajectoire à lui structuraliste, puis post-structuraliste, c'est en fait, finalement, le noyau, c'était ça. C'était Cassirer et Bachelard. Donc ça, c'est une première manière de le voir. Bon, Bourdieu n'est pas le seul. Hein. Il y a d'autres gens, comme je vous ai dit, comme Jean-Marie Benoît, il y a, qui le font de manière... Bon, c'est moins lié à des projets scientifiques parfaitement légitimes dans leur champ comme étant scientifiques, disons, comme pouvant prétendre à l'être, en tout cas. Mais bon, l'autre orientation consiste à soutenir que, en fait, la notion de structure explique non pas tant les caractéristiques propres d'une méthode scientifique, mais les caractéristiques propres d'un objet scientifique. C'est-à-dire que les sciences se caractériseraient par le fait qu'elles changent d'objet. Ce n'est pas simplement qu'elles changent de manière de penser, hein. Elles changent de référent. Elles changent de référent. Et au lieu d'avoir affaire justement à des choses, là encore on pourrait le dire comme ça, elles ont affaire à des structures. Donc, une science n'a jamais affaire à rien d'autre qu'à des structures. Et donc cette interprétation, disons, l'affinité intime entre structure et science, vous voyez qu'elle est plutôt du côté de l'ontologie cette fois-ci, non pas de l'épistémologie. Finalement, si on suppose que les sciences nous disent le vrai sur la réalité, au fond, ça veut dire que la réalité est en vérité uniquement faite de structures au pluriel. Il n'y a que des structures de différents ordres, de différentes
modalités, différentes formes, mais il n'y a que des structures. On trouve ça aussi un peu chez Lévi-Strauss, d'ailleurs, à certains égards. Mais bon. Donc, cette thèse, on peut l'appeler le réalisme structural. Elle est représentée en France par quelqu'un d'un petit peu méconnu et dont le livre était pourtant passionnant, qui s'appelle Jean Hulmeau. Donc, son livre s'appelle... voilà, j'aurais dû le prendre. Bref. La science moderne, quelque chose comme ça. Donc, Jean Hulmeau, c'est... alors, peut-être j'y reviendrai la prochaine fois, je ferai un petit zoom sur ce livre et sur ses thèses. C'est rapide, mais donc, en gros, l'idée, c'est que n'est intelligible pour la raison dans le monde, dans l'expérience, que ce qui a une structure. C'est un objet. Ce n'est pas simplement la forme de quelque chose qu'on pourrait appréhender par ailleurs, c'est quelque chose auquel on ne peut avoir accès qu'en tant que c'est une structure. Peut-être je vais quand même dire quelques mots sur ça, mais pour vous donner quelques références enfin, qui situent la chose, au fond, les antécédents de Hulmeau ici, il y a Bachelard, à certains égards, il y a surtout Poincaré, en fait, même si lui-même tape beaucoup sur Poincaré, mais c'est quand même assez proche de Poincaré. Et puis, il y a des successeurs à ce projet du réalisme structural, comme un auteur comme Bass Van Frassen, V-A-N, plus loin, F-R-A-2-S-E-N, ou James Ladyman, qui est un représentant du réalisme structural dans le champ de la philosophie analytique, qui en partie ignore les choses dont je vais parler, mais qui en même temps est en fait une intersection réelle avec ces choses-là. Alors, pour Hulmeau, juste un petit point, et puis je m'arrêterai là. Je vais quand même vous lire la définition que Jean Hulmeau donne. Ça se trouve, page 99, 100 donc, de son livre, dont j'ai oublié le titre. Voilà, il dit « Une structure est un ensemble de rapports considérés comme caractéristiques entre éléments dont l'identité et même la nature est jusqu'à un certain point indifférente et qui peuvent par suite être changé, remplacé par d'autres éléments analogues ou différents sans que la structure soit altérée. » Donc, on définit la structure en vérité comme un objet. En fait, il introduit cette notion de structure dans le texte. Alors, il ne parle pas tellement de structuralisme, hein, mais c'est très centré autour de la notion de structure. Il introduit la notion de structure contre le positivisme, c'est l'épistémologie. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe dans le travail scientifique en pensant que le travail scientifique consiste à chercher des corrélations entre des phénomènes, des lois au sens de corrélation entre des phénomènes, ce qui est l'épistémologie positiviste, c'est-à-dire on suppose que la science ne connaît pas des objets, elle se contente de dégager des rapports, mais attention, des rapports qui sont des rapports entre des phénomènes, qui ne constituent rien de l'ordre d'un objet, rien de l'ordre de, non seulement de la réalité, mais même d'objectif. Donc il n'y a pas de dimension objective. Au contraire, quelqu'un comme Hulmeau, comme Husserl, d'ailleurs, à certains égards, c'est la même raison pour laquelle il est anti-positiviste, hein, Husserl. Enfin, quelqu'un comme Hulmeau pense que, au contraire, la science pénètre précisément des objets, dégage des objets. Elle ne se contente pas de repérer des corrélations entre des phénomènes, mais elle dégage des objets, mais des objets qui sont intrinsèquement relationnels. Ce n'est pas parce qu'ils sont relationnels qu'ils ne sont pas des objets. C'est ça le point, évidemment, philosophiquement excitant. Donc, ça devient donc un réalisme. Il le dit explicitement, il dit « Grâce aux structures, les objets sortent des lois qui les ont désignées. On élabore une structure pour rendre des lois connues. On élabore une structure pour rendre des lois connues, mais la structure est plus riche que ces lois et à ce titre, elle constitue une hypothèse parce qu'elle est toute prête à être engagée dans de nouveaux types d'interactions. » On ne se contente pas formaliser un domaine de phénomène, on identifie un objet qui émerge, en fait, hein, qui sort de ce domaine de phénomène, et c'est lui qui nous permet précisément de faire des connexions de type comparatiste avec d'autres domaines phénoménaux. Et dire, en fait, c'est le même objet. Et rigoureusement, ça veut dire c'est la même chose, en fait. Il n'y a pas plusieurs objets, c'est la même chose. Si ça a la même structure, c'est la même chose, c'est la même réalité. Et l'exemple qu'il donne, alors évidemment, c'est un vieux débat qui est lié au débat que Pierre Duhem avait
sont produits au début du XXe siècle dans son livre « La théorie physique », qui est un débat contre le positivisme, qui prend beaucoup son matériau argumentatif dans les discussions sur l'héliocentrisme et le géocentrisme, avec un argument assez simple qui consiste à dire, du point de vue des corrélations phénoménales, il n'y a aucune raison de souscrire à un modèle héliocentrique plutôt que géocentrique, d'un point de vue rigoureusement positiviste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Église était assez favorable au positivisme, en fait. Je trouvais que ça, finalement, ça laissait les choses assez libres, hein. Après, vous avez des arguments de simplicité, mais c'est des arguments, du coup, qui relèvent de l'épistémologie. C'est plus simple pour nous, humains, de se représenter les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est finalement un phénoménisme, le positivisme. Au contraire, évidemment, il y a quelque chose de beaucoup plus offensif dans le fait de dire « non, c'est comme ça ». C'est comme ça, et ça suppose de dire en fait qu'on a un objet ici et que le système planétaire n'est pas simplement une représentation commode de phénomènes, mais l'appréhension d'une réalité, une réalité qui a un caractère structural. Et l'exemple qu'il donne ici, c'est la classification périodique de Mendeleïev. Il dit qu'elle n'était qu'une réunion de lois, ou mieux de régularités, donc ça c'est la thèse positiviste, et son auteur, lui-même positiviste, Mendeleïev, ne voulait pas qu'elle manifestât une structure atomique sous-jacente au corps simple de la chimie. Il voulait juste donner une classification commode des phénomènes. Or, qu'est-ce que ça donne ? Ben, ça donne l'atome. Ça donne la théorie de la structure de l'atome. Comme il dit, elle suggéra à Perrin et Rutherford leur hypothèse structurale, le système solaire en miniature avec des couches électroniques, et toute la physique moderne en est sortie. Donc, vous voyez ce geste qui consiste à dépasser une description en quelque sorte des corrélations phénoménales en faisant l'hypothèse d'un objet qui caractérise le réalisme structural et qui, pour Ulmeau, disons, et permet d'identifier ce qu'il y a d'intelligible dans la réalité. C'est bien une chose, un objet qui est intelligible. Donc voilà, donc la structure ici est le nom, une dimension de l'objectivité scientifique en général. C'est presque une démarche, on pourrait dire, un peu transcendantale. Qu'est-ce qu'il faut qu'un objet soit en général pour qu'il puisse devenir l'objet d'un savoir scientifique ? Il faut qu'il soit une structure. C'est ça l'idée. Donc, il y a une différence entre satisfaire des lois, et même, si vous voulez, un système de lois, par exemple, une axiomatique. Ce n'est pas le problème de savoir si c'est systématique ou pas, ou si c'est systématique ou si c'est rhapsodique, comme disait Kant, pour poser rhapsodie à système. Donc, ce n'est pas le problème de savoir si on satisfait des lois, c'est le problème de savoir justement si on a un objet. Si on a un objet auquel réfère, à proprement parler, la théorie scientifique. Donc, les lois décrivent des comportements d'un ensemble de phénomènes, mais les structures supposent ces lois et ces régularités, mais en proposent une expression objectale. Et grâce à cette expression, ce petit toy modèle, eh bien, on peut faire des rapprochements avec des domaines théoriques très éloignés. Et aller jusqu'au bout de ça, montrer que c'est exactement la même structure, c'est en fait fusionner des disciplines théoriques, comme ça s'observe en mathématiques. On finit par fusionner en fait, des champs théoriques qui paraissaient relever de problématiques et d'objets différents. Donc, ça sert à interpréter des lois, un discours, mais en même temps, en réalité, à produire finalement une perception rationnelle, une intuition rationnelle de l'objet. Donc, premier point, la structure est une hypothèse qui concerne un objet sous-jacent qui explique, cette fois-ci, lui, il explique les régularités. C'est parce qu'il existe qu'il y a ces régularités observables. Donc là, il y a une dimension très constructive, il faut construire cet objet. La structure, c'est ça, c'est l'hypothèse d'un objet. Deuxièmement, ce qui est proprement explicatif dans cet objet ne tient pas à sa substance, mais à l'ensemble des relations qui le caractérisent. Donc cet objet est formel, ce n'est pas parce qu'il est formel qu'il n'est pas un objet, ce n'est pas parce qu'il est relationnel qu'il n'est pas un objet. Et donc, du coup, il peut s'incarner dans différentes substances. J'utilise ici une distinction de Saussure, forme, substance. Saussure irait même jusqu'à dire que, des extraterrestres qui parlent avec des champs gravitationnels, comme dans le film de
Christopher Nolan. Comment s'appelait-il ? Comment il s'appelait ce film ? C'était Interstellar, oui. C'était Interstellar où je croyais communiquer par des ondes gravitationnelles. Donc, si ces ondes gravitationnelles sont organisées d'un point de vue différentiel de la même manière que le système du français, ben en fait, c'est le même objet. C'est du français, simplement dans une autre substance. Bon, donc, ce qu'il y a d'explicatif ne tient pas du tout à sa substance, mais à sa forme relationnelle. Et donc, ça veut dire aussi que la démarche intellectuelle repose sur l'analogie, les analogies de forme objective. Enfin, ce que ça implique, c'est un troisième point sur lequel je voudrais revenir à plusieurs reprises, c'est que cet objet, il est explicatif parce qu'il permet de déployer un certain nombre de variantes. C'est-à-dire qu'on peut, et on le voit très bien dans le tableau de Mendeleïev, c'est la même chose qui se donne dans plusieurs modalités, en l'occurrence une combinatoire. Et les lois des phénomènes répondent à ces contraintes. Il y a des contraintes sur la variation de l'objet qui expliquent les lois. Plus profondes que les lois des phénomènes sont les contraintes sur la variation constitutive de l'objet. Donc l'objet, lui, comme c'est un objet relationnel et formel, il implique quelque chose comme combinatoire. Il peut donner lieu à plusieurs variantes. Et c'est ça qui explique. Bon, si vous regardez justement les conférences d'Escola au Collège de France dont il a été question tout à l'heure, au fond, il a ça comme idée. Hein. C'est un peu ce type de modèle de raisonnement qu'il a. Donc, il s'agit d'extraire du matériau ethnographique, ethnologique et anthropologique, ben, un objet qui peut donner lieu à plusieurs variations et qui explique les phénomènes. Et enfin, vous voyez bien que dans les citations que j'ai faites, peut-être vous avez senti qu'il y a chez Ulmo l'idée selon laquelle on accède à la structure par une opération cognitive d'un genre assez particulier. Il dit hypothèse. On fait une hypothèse. Donc là, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de déduction naturelle à partir du champ des phénomènes qui s'organiserait spontanément en un certain nombre de régularités, comme le positivisme pouvait l'espérer. Non, il y a un forçage, en fait, des phénomènes. Donc, on est obligé d'introduire quelque chose qui n'est pas dans l'expérience observable, qui est cet objet, qui est une hypothèse structurale. Et comment on va des phénomènes à l'hypothèse structurale ? Il y a un saut, hein, il y a un forçage, il y a quelque chose qui dépasse un petit peu, disons, la simple et pure déduction naturelle, en quelque sorte. Et le mot pour ça, eh bien, c'est abduction. C'est le mot que Peirce utilise. Donc, ça n'est ni l'induction positiviste, quoi, dans laquelle on passerait de la variation des phénomènes et du fait qu'il y a des répétitions, et des sortes d'invariants morphologiques dans l'expérience qui fait que progressivement apparaîtraient des sortes de généralités. Donc, ça, on n'est pas d'accord. Mais on n'est pas non plus d'accord avec une forme de rationalisme hein, qui consisterait à penser que bah, les structures générales de la raison, plus exactement les formes de fonctionnement, pas les structures, le mot est très maladroit, les formes de fonctionnement général de la raison impliqueraient qu'il y a un certain nombre possible d'hypothèses. Non, en l'occurrence, il y a bien, ça ce serait la déduction, hein, vous faites un système axiomatique, paf, vous déduisez tout, à partir des a priori que vous auriez, a priori structuraux que vous auriez. Ce n'est pas du tout la position de Ulmo. La position de Ulmo historicise le travail scientifique, parce que justement, il y a toujours ce moment de forçage, de décalage, donc qui n'est ni de l'induction, ni de la déduction, mais qui est ce que Charles Sanders Peirce a appelé de l'abduction. Donc le structuralisme serait très profondément lié à la réhabilitation, disons, de cette opération cognitive et épistémique ou logique qui serait celle de l'abduction, ce qui déjà en soi serait intéressant, parce que ça nous dirigerait vers précisément des questions qui ont à voir avec la relation entre ces manière de penser la rationalité scientifique et la question du signe, puisque comme vous le savez peut-être, Peirce est l'inventeur du mot sémiotique, enfin l'inventeur du sens moderne du mot sémiotique, et que c'est très lié à sa logique de l'abduction. Alors c'est pas, on ne va pas prendre ce chemin-là, mais donc on voit bien que vous avez ici donc différentes variantes, vous voyez, de l'idée selon laquelle l'exode dont on parlait tout à l'heure de la structure aurait abouti à une théorie générale de la rationalité scientifique. Quant à la philosophie, je vais m'arrêter là justement sur la question de
comment la philosophie entre dans l'affaire, ben, la philosophie n'aurait été concernée du point de vue de cette conception standard du structuralisme, elle n'aurait été concernée par cet événement que sur l'acquis de cette histoire, l'établissement de ces vérités scientifiques qui ont été déclinées de manière linéaire en sous-vérités, sous-domaine après sous-domaine, jusqu'à son explicitation générale. Et du coup, elle est condamnée à, la philosophie, elle est condamnée à occuper les deux positions classiquement réservées à la philosophie moderne, une fois qu'elle a pris acte de l'irruption précisément de ces pratiques qu'on appelle les pratiques scientifiques dans leur relative autonomie avec l'histoire de la philosophie. Soit la philosophie se contente de justement faire le travail que je viens de faire, c'est-à-dire que je viens de rapporter, c'est-à-dire réfléchir la rationalité scientifique en général, telle qu'elle se trouve révélée à elle-même dans sa propre histoire, en l'occurrence par le triomphe de la rationalité structurale. Première hypothèse, hein, la philosophie se contenterait d'être une épistémologie. Soit elle doit venir interpréter les résultats de ces sciences, c'est-à-dire ce que ces sciences nous disent sur la réalité, et donc dégager une image du monde et éventuellement une image de notre situation existentielle dans le monde, bref, de ce que l'époque appelait justement la condition, notre condition, la condition subjective, donc une sorte de Weltanschauung structuraliste. Et dans ce cas-là, la validité de cette philosophie structuraliste dépendrait du fait qu'elle soit adossée, évidemment, aux sciences structuralisées, qui ont été déterminées par le structuralisme. Donc, la philosophie est soit en position, en quelque sorte, de fondation, elle doit dire quels sont finalement les fondements de toute pratique scientifique, qu'est-ce que c'est pour des pratiques scientifiques que d'être scientifique, soit d'interprétation, donc elle a la position, on pourrait dire, soit transcendantale, soit herméneutique. Autrement dit, la philosophie se trouve exactement coincée dans ces deux positions que Foucault, dans Les mots et les choses, identifie comme relevant de ce qu'il appelle le cercle anthropologique. Alors, ce serait un peu surprenant que l'événement structuraliste laisse la philosophie comme ça dans cette position de ne pouvoir hésiter qu'entre ces deux positions, déjà. Et de toute manière, ce que je voudrais vous montrer la prochaine fois, c'est que cette manière d'aborder la question même de la définition du concept de structure et du structuralisme ne peut aboutir qu'à des impasses parce qu'elle suppose précisément qu'on trouve une définition univoque de ce concept de structure, que ce soit sous la forme de l'objet ou sous la forme de la méthode, et que ce soit bien elle qu'on retrouve dans les fameuses sciences qui ont été transformées par l'événement structuraliste. Or, le fait est que tous les observateurs, toutes les observatrices, tous les gens qui ont travaillé sur ce sujet, sans aucune exception, ont constaté que précisément un tel concept univoque n'existait pas, et que le sens du mot structure ne cessait de varier. Donc la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette variation. Et là, on a le choix entre deux options. Soit on dénonce l'entité structuralisme comme un simple homonyme, absolument sans consistance, un pur et simple effet d'opinion, de doxa vraiment malencontreuse. C'est-à-dire, on rassemble, c'est le modèle même de la doxa selon Bacon, enfin, une des premières idoles de Bacon par rapport à quand il cherche à distinguer justement ce que c'est qu'une pratique rationnelle par opposition à l'œuvre, c'est l'idole du nom. Croit que le nom désigne quelque chose. Ben non, le nom ne désigne pas quelque chose. Et donc, on exclurait complètement l'idée qu'il existe quelque chose comme effectivement un structuralisme. Alors, vous voyez bien que le structuralisme standard, qui se tient à l'idée sur laquelle il y a un standard du structuralisme, aboutit à la conséquence sur laquelle il n'y a pas de structuralisme du tout, en fait, en réalité. Et ça, c'est incarné dans la position de l'anthropologue Fred Kreuber. Je reviendrai sur cette citation la prochaine fois et je commencerai avec ça. C'est une simple, pure et simple dissolution de la question. Donc évidemment, c'est fini. Alors, ça ne va pas beaucoup plus loin. Soit, c'est bien entendu ce qu'ont essayé de faire plein de gens et qu'on trouverait que ça n'a pas donné grand-chose, soit on cherche à repérer précisément un standard, c'est-à-dire un usage particulier du mot structure qui est plus précis que les autres et qui fonctionne comme template, quoi, comme format de référence pour tous les autres. Par exemple, la linguistique, par exemple, les mathématiques. Et en fait, c'est les deux principaux que j'étudierai. Voilà, donc moi, j'ai terminé pour cette fois et l'heure se clôt. Donc, la semaine prochaine, je voudrais continuer ce travail. La semaine prochaine, que dis-je ? Le 18 janvier, je crois, si je ne m'abuse pas. Je vais vous dire ça tout de suite.
notre prochain séminaire. Pardon, le 28 janvier, cette fois-ci, à 17h, un petit peu plus tôt. À 17h, on recommence. Et ce sera un nouveau mois. 28 janvier, oui. Ce sera un vendredi, hélas. Hein, parce que je n'avais pas la salle d'autrefois. Et donc, en fait, en réalité, toutes les séances suivantes seront malheureusement le vendredi soir. Voilà, c'est Friday Night Structuralist Fever. Bon, ben voilà, je vous remercie toutes et toutes de votre attention. Que vous soyez ici ou à distance, vous pouvez envoyer des remarques, des questions aussi par email. Et j'en tiendrai compte la prochaine fois. Voilà, bon, pour l'instant, on s'arrête. Merci beaucoup. Merci, de rien. Ça fait plaisir de voir un certain nombre de personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps être connectées aussi à distance.